Monsieur Mohamed Sofiane Zoubir, bonjour. Bonjour. Alors, malgré le potentiel important que recèle l'Algérie, l'investissement dans le domaine touristique demeure insuffisant. En l'absence d'infrastructures, peut-on parler concrètement de promotion de la destination Algérie? Monsieur Zoubir. Bien sûr, vous avez évoqué le volet de l'investissement touristique, qui enregistre maintenant plus de 2200 projets touristiques, qui va nous offrir plus de 270 000 lits. Et dans ces 270 000 lits, on a plus de 60% de ces projets touristiques qui sont en cours de réalisation et qui connaissent un taux physique très important. Vous avez parlé aussi de la promotion de la destination Algérie. Quand on parle de la destination Algérie, on va parler d'un produit touristique algérien avec différentes typologies touristiques. Et à cet effet, l'État a mis, le gouvernement a mis en œuvre une stratégie pour développer cette destination et pour la promouvoir dans le marché international et le marché régional. Mais comment se décline cette stratégie de façon concrète aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas accusé énormément de retard par rapport à nos pays voisins? Non, il ne faut pas comparer par rapport aux pays voisins parce que cette stratégie a été déclinée en plan d'action depuis 2008. Ces actions œuvrent beaucoup plus pour la promotion du marché réceptif, qui est le produit Sahara, et beaucoup plus pour le marché local ou le tourisme domestique. Dans ce sens, l'État a consenti pas mal d'efforts, à l'exemple de la promotion de l'investissement, de l'aménagement touristique et de la promotion des différents produits touristiques à travers toutes les régions. Mais vous parlez de marché réceptif, c'est-à-dire la réception de touristes éventuels, et de marché domestique, c'est-à-dire à la consommation locale. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que vous avez pratiquement près de 2 millions d'Algériens qui vont dans un pays mitoyen pour passer leurs vacances. Est-ce que cela est dû essentiellement à l'absence de ces infrastructures touristiques ou par rapport à l'offre touristique qui n'est pas très diversifiée et son coût? Vous avez annoncé 2 millions d'Algériens qui partent à l'étranger, mais les restes restent en Algérie et passent leurs vacances dans les différentes wilayas, différentes régions balnéaires, sahariennes, climatiques ou thermales. Mais c'est certes que maintenant les prestations de services au niveau des établissements hôteliers dans quelques régions, ils sont appelés à être améliorés. Dans ce sens, un plan qualité tourisme ainsi qu'un plan de formation, ils sont déclenchés pour arriver à un niveau de prestations de services en norme internationale. Dans ce sens, je prends l'exemple du groupe HTT, du groupe Hôtellerie Tourisme Thermalise, qui a fait un plan d'action en matière de formation, en matière de promotion et beaucoup plus en matière de développement de l'investissement touristique à travers une opération de modernisation, de réhabilitation, même qui a touché la ressource humaine. Mais même s'il y a la question de la réhabilitation des infrastructures et la formation de la ressource humaine, ce qui est relevé aujourd'hui par les experts dans le domaine du tourisme, c'est que l'apport qualité-prix fait défaut aujourd'hui. Quel est votre commentaire justement précisément par rapport à cette question? Certains considèrent qu'en partant à l'étranger, on paye moins qu'en consommant local, qu'en passant des vacances en Algérie. Si on paye moins en Algérie, on paye plus, c'est par rapport à l'offre et à la demande. Par exemple, si on a le parc hôtelier existant actuellement, il dépasse les 1300 hôtels qui offrent plus de 110 000 lits. Ces 110 000 lits ne répondent pas à la demande locale. C'est pour cela qu'on a boosté l'investissement à travers des mesures incitatives, à travers un cadre d'accompagnement. Ce cadre d'accompagnement a eu le résultat d'avoir plus de 2200 projets touristiques qui sont en cours de réalisation. Ils vont nous offrir plus de 277 000 lits, ainsi que l'aménagement des zones d'expansion touristique, un foncier touristique qui est classé et décrété. Tout cet ensemble va automatiquement, dans un moyen terme, booster le tourisme. Je vous donne un exemple d'un chiffre. On réceptionne chaque année une centaine d'établissements hôteliers à travers tout le pays. Ces centaines de projets touristiques qui sont réceptionnés sont en nombre international. C'est beaucoup plus des hôtels urbains, d'affaires et différentes typologies. Alors, les zones d'expansion touristique, comment les préserver? Comment aussi à la fois lever certains verrous bureaucratiques pour booster davantage l'investissement dans ce secteur qui est à forte valeur ajoutée? Je vous donne l'exemple pour les zones d'expansion touristique. Depuis 1999 à ce jour, nous sommes passés à plus de 225 zones d'expansion touristique qui sont classées. C'est un foncier touristique qui est classé. Ce foncier touristique, il est doté d'un plan d'aménagement touristique. À ce jour, on a plus de 60 pattes plans d'aménagement touristique qui sont approuvés. Ça va nous ouvrir plus de 806 lots d'une superficie qui dépasse les 2000 hectares. À ce jour, on a concédé sur les 800 plus de 261 parcelles qui vont
être prêtes à réceptionner des projets touristiques. Et dans ce sens, il y a une enveloppe afin d'aménager ces zones d'expansion touristique et de les soumettre à la demande des investisseurs et des porteurs de projets. Mais quand on parle d'investissement dans le domaine touristique, c'est de l'investissement essentiellement privé aujourd'hui, M. Zoubé. L'État n'investit plus directement, comme ce fut le cas par le passé, dans les zones touristiques. Non, l'État, elle, dans le cadre du partenariat public-privé, l'État, elle est là pour aménager les aides, les zones d'expansion touristique, mais ça reste à l'affaire du privé pour l'investir. Le rôle régalien de l'État, elle est là, c'est l'investissement privé qui est en plus, qui connaît un épanouissement, qui connaît aussi un essor. Ainsi, on a constaté qu'il y a un engouement en matière d'investissement touristique à travers toutes les régions. Alors, le rôle régalien de l'État, c'est le contrôle et bien sûr légiférer en cas de manquement ou à peut-être prendre des dispositions. Est-ce qu'on le fait? Bien sûr, nous sommes en train de revoir tous nos textes, par exemple, ces textes qui vont... La classification des hôtels, la normalisation des hôtels. La tarification également en fonction de la classification. La tarification, elle est libre parce que c'est la pratique commerciale. C'est-à-dire le tarif, il est libre. Mais cette révision des texte entre dans le cadre de la politique du gouvernement, de la décentralisation, tout ce qui est administration, aussi de la numérisation du volet touristique. C'est pour cela que cette révision de texte, elle va pousser les investisseurs, les porteurs de projets, ainsi que les exploitants hôteliers, de mettre à niveau leur établissement hôtelier. Nous avons axé aussi sur le volet formation, parce que la ressource humaine, elle est très importante dans la promotion des produits touristiques. C'est pour cela qu'on a signé pas mal de convention entre le ministère de la formation professionnelle, c'est le cas du groupe HTT qui a signé dernièrement une convention pour le recyclage et pour la formation continue de ces cadres. Mais par rapport à cette question de formation, ce qui est relevé actuellement, nous sommes en pleine saison de tourisme saharien, c'est que les infrastructures de formation n'existent pas dans ces localités. Non, elles existent. Si on prend l'exemple des tourismes sahariens, il y a une convention entre le ministère du tourisme et de l'artisanat et la formation professionnelle, où tous les centres de formation professionnelle, il y a des spécialités qui sont dispensées au niveau de ces localités sahariennes. Il y a même des instituts spécialisés, je prends le cas celui de Adrar et de Timimoun. Alors, vous avez parlé du rôle régalien de l'État, vous avez parlé des infrastructures. Les infrastructures réalisées par l'État, leur réhabilitation est en cours. Est-ce que ce n'est pas aussi énormément de budgets qui sont dépensés pour rien parfois? Non, au contraire, il y a le parc hôtelier public qu'on appelle, qui est géré par le groupe HTT. Ce parc hôtelier, c'est un parc qui est très important par rapport à nous parce qu'il touche différentes typologies de tourisme. Il y a des infrastructures balnéaires, climatiques, sahariennes. C'est-à-dire une panoplie d'infrastructures hôtelières. C'est vrai que l'enveloppe qui a été allouée à ces infrastructures pour la réhabilitation, pour la modernisation, ainsi pour que l'extension de ces infrastructures, elle est dans la bonne voie et les travaux de réalisation sont en cours et déjà on a réceptionné plus d'une vingtaine d'établissements hôteliers sur les 61. Elle est de quel ordre cette enveloppe aujourd'hui pour la réhabilitation des infrastructures de l'État? Elle est de 70 milliards de dinars, ainsi plus les enveloppes octroyées dans le cadre du crédit au niveau des banques étatiques et des fois le fonds propre de ses propres entreprises touristiques qui sont affiliées au groupe HTT. Alors pour le tourisme, est-ce qu'il faudrait réaliser des hôtels à 5 étoiles à travers tout le territoire national, ou alors il va falloir revoir la gamme de réalisation des hôtels? La classification. Quand ils ne sont même pas 5 étoiles, ils pratiquent le prix 5 étoiles aussi. Non, mais il n'y a pas un prix de 5 étoiles et de 4 étoiles. Je vous dis que le prix, il est libre. Mais nous, on a besoin des hôtels, des établissements hôteliers, différentes typologies de 1 étoile à 5 étoiles qui vont toucher toute la couche de la société, toute la France, toutes les bourses, même étrangers. Et cette politique commerciale, elle concerne beaucoup plus le privé. On a constaté aussi la rentrée des grandes chaînes en matière de management, des chaînes étrangères. Il y a plus d'une vingtaine d'établissements hôteliers qui sont gérés dans un contrat de management ou un contrat de franchise. Et ces contrats de management apportent beaucoup plus la mise à niveau et apportent beaucoup plus la formation de
de la ressource humaine exerçant dans l'établissement hôtelier. Mais quand on parle aujourd'hui du potentiel Algérie en matière touristique, c'est-à-dire les espaces et la nature, qui nous a fortement donné beaucoup de choses qui sont très belles à voir et visiter. Est-ce que vous avez révisé, bien sûr, votre stratégie en fonction de ce potentiel, puisque beaucoup considèrent que sur le balnéaire, on ne peut pas être compétitif avec les pays qui sont fortement en émergence dans ce domaine? La révision de la stratégie, elle va être, Inch'Allah, dans le mois de décembre. C'est dans le cadre de la tenue des assises du tourisme et de l'artisanat. Ces assises, c'est beaucoup plus pour l'évaluation du schéma directeur d'aménagement touristique qui a été approuvé en 2008. C'est une halte pour voir est-ce que ce schéma, est-ce que cette stratégie qui est déclinée en plan d'action, on a atteint notre objectif en moyen terme. C'est vrai que le potentiel touristique que recèle l'Algérie en matière de potentiel touristique, culturel, civilisationnel, l'Est, ça nous a donné des actions, ces actions beaucoup plus pour la promotion du produit touristique balnéaire, climatique, etc. Bon, vous avez évoqué le balnéaire. Pour nous, la priorité du balnéaire, c'est beaucoup plus pour le tourisme interne. Et le réceptif, c'est beaucoup plus pour le produit Sahara. C'est dans ce sens qu'il y a eu une convention qui a été signée entre le groupe HTT et les différents opérateurs qui commercialisent le produit touristique saharien, et ainsi que la compagnie Tassili Airlines. C'est dans ce sens qu'il y a une réduction de 50% en matière de transport, et nous sommes arrivés à faire un package touristique on prend l'exemple à Béchar, à Adrar ou à Timimoul ou à Tamaracet, pour 5 nuitées dans une demi-pension pour une personne qui dépasse les 50 000 dinars. Alors monsieur Mohamed Soufiane Zoubi, moi, je voudrais revenir avec vous bien sûr sur certains aspects beaucoup plus concrets, au-delà bien sur des stratégies qui sont mises en place aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des politiques concrètes pour booster davantage le tourisme en réglant certaines difficultés auxquelles sont confrontés par exemple les opérateurs dans le domaine touristique? Vous avez par exemple cette question de bonification qui est mise en œuvre actuellement pour booster l'investissement dans le domaine touristique. Vous avez 3% pour les régions nord et 4,5% pour les régions du sud, mais les opérateurs demandent des échéanciers beaucoup plus longs pour l'octroi des crédits qui sont limités à 5 ans, comme c'est le cas par exemple en Tunisie, c'est 30 ans. C'est vrai, pour booster l'investissement touristique, il y a pas mal d'obstacles. Et ces obstacles, c'est beaucoup plus, ils sont liés à l'investissement, au financement des projets touristiques. C'est vrai, on a plus d'une centaine de projets touristiques qui sont non lancés à cause de ces crédits bancaires. Mais dans ce sens, on va organiser avec le ministère des Finances, en mars du mois de novembre, une journée d'études sur le financement des projets touristiques. Dans cette journée d'études, on va inviter les banques, les fonds de garantie, et on va inviter les porteurs de projets qui souffrent de ces problèmes pour étudier quelles sont les éventuelles solutions apportées à ce problème. C'est vrai que il y a des projets touristiques qui sont financés par des banques. Je cite, il y a des banques étatiques qui contribuent positivement dans le secteur à l'encontre de la CPA, à la BDL. Mais d'autres projets souffrent. Mais généralement, les porteurs de projets, ils demandent pas la bonification, beaucoup plus ils demandent l'échéancement de leur crédit bancaire. Au lieu de 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils demandent plus de 20 ans. Parce que l'amortissement dans l'hôtellerie, c'est à long terme. C'est ce qui fait que les prix pratiqués actuellement sont élevés. Voilà, c'est pour cela que le prix est lié au remboursement des prêts bancaires. Alors, autre question qu'il va falloir aussi régler, comme ce fut le cas pour certains pays, c'est-à-dire régler le tourisme, c'est pas seulement ramener le touriste et le mettre dans un hôtel, c'est aussi un circuit, une offre touristique, mais également des prix compétitifs sur le plan des transports. Les avions low cost n'existent pas, comment régler ça avec la compagnie Air Algérie ou Tassili Airlines, puisque vous allez prochainement signer dans quelques jours une convention. Vous l'avez signé. Voilà, vous me corrigez. Vous l'avez signé. Quand vous parlez du package touristique, on parle beaucoup plus du transport, de l'hébergement et des circuits touristiques. Les circuits touristiques, ils existent, ils sont bien tracés, bien encadrés. Notamment du côté du sud du pays. Beaucoup plus du sud, parce que entre parenthèses, dans la saison saharienne, on a plus d'une trentaine de circuits touristiques à travers les 14 wilayas du sud. On revient en transport, c'est vrai que la dernière convention signée entre Tassili Airlines et le groupe HTT, beaucoup plus pour le tourisme interne, une réduction de 50%, mais
il reste toujours le transport un problème dans le package touristique. La cherté de billets, même au niveau local, si on prend un billet Alger-Tamaracet, il coûte deux fois plus cher que Alger-Paris ou Alger-Tunis. C'est pour cela que les agences de tourisme et de voyage demandent à d'avoir des compagnies low cost, demandent à avoir des tarifs préférentiels par rapport à Algérie ou Tarsili Airlines, et demandent aussi la création d'une société, d'une compagnie aérienne qui sera affiliée à Algérie ou à Tarsili. C'est du low cost, c'est beaucoup plus des charters, parce que si on organise des charters, on programme des charters, ça va automatiquement réduire le prix du produit touristique. Mais si vous programmez des charters, quel est le marché touristique que vous visez essentiellement? Les Chinois, les Belges et les Allemands, ou toutes les destinations confondues? Pour les réceptifs, on participe à différentes foires internationales, celle de l'Espagne, celle de l'Allemagne, de la Belgique et de la France. On vise beaucoup plus le marché chinois. Il est très important pour nous, le marché russe, le marché belge et le marché des pays scandinaves. Mais les Russes actuellement préfèrent la destination Tunisie. Nous sommes en train de la Tunisie pour le balnéaire, mais nous sommes en train de faire de la promotion pour le produit Sahara, Tamaracet, Béchar, Adrar, Timimoun, Gardaïa, Lrouat et beaucoup plus pour le thermalisme. C'est vrai, mais nous sommes aussi en train de faire de la promotion pour le tourisme domestique. Nous sommes en train d'axer nos actions beaucoup plus pour la famille algérienne. C'est la dernière convention qui a été signée entre HTT et GTA pendant la saison estivale. Elle a eu des résultats très positifs. On a enregistré plus de 30 000 familles algériennes qui ont passé leur séjour au bord de la mer dans les infrastructures étatiques et privées. Mais 30 000, et quand vous avez parallèlement 2 millions d'Algériens qui sortent de l'Algérie pour le balnéaire, c'est quand même dérisoire. Est-ce que le marché chinois pourrait être un marché potentiel pour l'Algérie aujourd'hui? Bien sûr, parce que... les contraintes de la langue? Malgré les contraintes de la langue, il y a plus de 12 millions de Chinois qui sont enregistrés dans le tourisme international. On veut une part de ce marché international et on axe beaucoup plus pour les Chinois. C'est le plus grand marché actuellement. Oui. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. Monsieur Zoubir, alors vous avez cet auditeur qui dit « Je suis un banquier, je confirme que notre banque accorde des crédits bonifiés sur un échéancier allant jusqu'à 18 ans, alors qu'on parlait d'un échéancier de 5, 6, voire 7 ans. » Monsieur Zoubir. Les conventions cadres qui ont été signées entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec 11 établissements financiers, c'est un échéancier qui s'arrête à 10 ans, 11 ans, avec un taux bonifié de 3% pour les régions du Nord et 4,5% pour les régions du Sud. Malgré que 10 ans ou 12 ans, ce n'est pas suffisant pour amortir le prêt qui a été contracté avec les établissements financiers. Alors, autre question, j'aimerais savoir, est-ce qu'un jeune peut investir dans le domaine du tourisme et quels sont les avantages que l'État met à sa disposition? C'est bien d'encourager les jeunes dans ce domaine. Bien sûr, on a cette tranche de jeunes qui investissent dans le tourisme à travers la réalisation des infrastructures hôtelières de capacité moyenne, ainsi que dans les agences de tourisme et de voyage. Les avantages qui sont octroyés par l'État sont des avantages fiscaux, parafiscaux, des mesures accompagnatrices. Ces mesures depuis 2008 à ce jour, les différentes lois de finances prennent beaucoup plus d'avantages, etc. On prend l'exemple de la redevance locative au niveau du foncier touristique classé, qui est passé de 1/20 à 1/33. Il y a le 1 dinar symbolique pour le mètre carré pour le foncier qui se trouve dans le Grand Sud. C'est tous ces avantages. On a fait un bilan, ça fait presque un mois, où on a constaté qu'il y a eu un engouement en matière d'investissement touristique. En 99, on a enregistré 300 projets touristiques. Aujourd'hui, on enregistre plus de 2200 projets touristiques qui sont en cours de réalisation. Mais globalement, combien il y a de projets touristiques qui ont été réalisés, monsieur Zoubir? Le parc hôtelier, cette année, il est passé, on a réceptionné plus d'une centaine de projets touristiques. Et l'investissement touristique, actuellement, il est à 2220 projets touristiques qui va nous offrir plus de 277 000 lits, offrant plus de 110 000 emplois directs. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur Zoubir, y a-t-il des normes pour la classification des hôtels, c'est-à-dire d'une étoile à 5 étoiles? Parce qu'on a tendance à penser que tous les hôtels en Algérie, c'est des 5 étoiles. Non. Vous prenez un jus,
vous mettez un salaire. Non. Les prix, je répète que le prix n'a pas une relation avec la classification. La classification des hôtels, elle a été décrétée en 1999 par un décret qui est le 2046 et le 2131. Cette classification, nous sommes en train de la réviser. Le texte, il a été présenté au secrétariat général du gouvernement. Il est en négociation. Ce texte, il va assouplir la procédure de classement. On va décentraliser le classement au niveau des wilayas, mais on a axé beaucoup plus sur l'aspect de formation, sur l'aspect de prestation de service et sur l'aspect de la qualité de l'établissement hôtelier. Alors, qu'est-ce qui manque concrètement à l'Algérie pour qu'elle redevienne, comme jadis, comme par le passé, une destination pour les touristes? 70, on avait des touristes. Oui. Aujourd'hui, on en a très peu. Et rarement, c'est plus du tourisme d'affaires que le tourisme ordinaire. La politique actuelle de développement du tourisme, elle a fixé des objectifs à moyen terme et à long terme. Ces objectifs, c'est atteindre, c'est avoir une part du marché international, parce que la situation géographique de l'Algérie, de nos bassins méditerranéens, qui est la première destination au monde, l'Algérie veut avoir une part de ce marché. On a aussi le marché local ou le marché domestique. Il y a un potentiel riche, il y a aussi une très forte demande dans les saisons sahariennes et saisons estivales. C'est pour cela que notre objectif, c'est de viser la famille algérienne et de promouvoir ce tourisme et aussi le tourisme réceptif. Alors, promouvoir la destination Algérie, c'est un travail, c'est un savoir-faire. Vous êtes en train de le faire actuellement, au-delà de la stratégie de réalisation, c'est-à-dire des infrastructures, des hôtels, améliorer les moyens de transport, l'image en soi de l'Algérie, parce qu'on a tendance à penser qu'on ne connaît pas suffisamment nous-mêmes déjà Algériens l'Algérie. C'est vrai que la promotion touristique, c'est tout un travail. Pas être seulement là, en bien foire sûr, bien aussi. Sûr. Nous avons axé nos actions beaucoup plus sur la communication touristique, sur le marketing touristique, avec nos diverses participations dans les foires internationales, notre présence dans les grandes rencontres internationales en matière de tourisme, le rôle aussi de la numérisation. On a un portail qui a été ouvert incessamment dans le cadre de la promotion de la destination Algérie. Toutes ces actions visent un seul objectif, c'est de mettre l'Algérie une destination sur le marché international. Alors, je veux savoir s'il y a un contrôle des hôtels et l'application des exigences normatives. Aussi, comment peut-on expliquer qu'une nuitée dans un hôtel moyen est à plus de 14 000 dinars? C'est une réalité. Bien sûr, c'est une réalité, mais je répète toujours que le prix, il est libre, parce que c'est la pratique commerciale. Et les contrôles, madame, ils existent depuis dans toutes les wilayas. Il y a des contrôles qui sont inopinés, des inspections inopinées, et il y a des inspections et des contrôles qui sont programmés. Au niveau de toutes les wilayas, il y a des directions du tourisme et de l'artisanat qui sont dotées des inspecteurs en tourisme. Ces inspecteurs sortent, ils inspectent les établissements hôteliers dans le cadre des brigades mixtes avec le commerce, la protection civile et la santé. Ces opérations de contrôle se soldent des fois, on allant jusqu'à la fermeture de l'établissement hôtelier afin qu'ils répondent aux normes. Et des fois, ce sont c'est les opérations de classement et de reclassement qui sont aussi des opérations très importantes dans le cadre du contrôle. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de fermer des hôtels parce qu'ils ne répondaient pas aux exigences de qualité et de propreté également? Bien sûr, madame. On a un chiffre qu'on ferme plus d'une cinquantaine d'établissements hôteliers chaque année dans le cadre de non-respect de l'hygiène et de la salubrité. Alors, autre question, des investissements en partenariat avec des étrangers, est-ce qu'ils s'intéressent à la destination Algérie aujourd'hui, Monsieur Zoubir? On enregistre 11 projets de partenariat avec les étrangers dans le cadre de la règle 51-49. Quel étranger? De quelle nationalité? Il y a des Qataris, des Émiratis, il y a même des Chinois. Il y a des Jordaniens, des Libanais. Ce sont des projets touristiques qui sont réalisés à travers le pays. La majorité se trouve au niveau de la wilaya d'Alger. Et on a des projets à la wilaya de Béjaïa et à la wilaya de Skikda. Il y a même à la wilaya de Ouargla. Ces projets touristiques, dans le cadre du partenariat, c'est des grands projets touristiques avec des grandes capacités touristiques et avec différentes typologies du tourisme.
Alors, un touriste a besoin de visiter un pays, de connaître ses infrastructures. Est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement former des gens spécialisés dans, bien sûr, pour faire découvrir tout ce potentiel, que ce soit au nord ou au sud du pays? Par exemple, vous avez pour la Casbah des guides, des gens, des professionnels qui connaissent le métier. La formation dans le secteur du tourisme, elle touche... Des guides touristiques. Oui, beaucoup plus les guides touristiques. Il y a même un décret qui régit cette activité de guide touristique. Nous sommes en train de revoir cette... Vous êtes en train de tout revoir finalement, bien, M. Zoubir. Bien sûr, parce que la stratégie, le tourisme, il change de jour en jour. C'est pour cela que nous sommes en train de revoir tous nos textes, toutes nos stratégies, afin de s'aligner au développement du secteur du tourisme. Vous avez évoqué les guides. C'est vrai que les guides, c'est une pièce maîtresse dans le package touristique. La formation de ces guides, la connaissance culturelle et civilisationnelle, historique pour les guides, ça c'est un élément très un élément nécessaire et primordial pour promouvoir le tourisme. Alors, est-ce que les tarifs des hôtels et de leurs services sont réglementés ou libres? Vous avez déjà répondu à cette question. Ils sont libres, madame. Alors, autre question que je voudrais vous poser, celle de l'auditeur. Aujourd'hui, l'offre touristique en Algérie n'inclut pas un forfait familial, par exemple, pour un séjour, puisque vous voulez aussi à la fois promouvoir le tourisme domestique. Comment faire? C'est-à-dire mettre en place tous les packages? C'est comme pour la compagnie aérienne. Parfois, on oublie que de demander, par exemple, on a le droit de demander ou d'exiger un repas diététique parce qu'on est diabétique. Je réponds à cette question. Mais il ne faut rien pour nous le dire au niveau des agences. Je réponds à cette question par un exemple cette année au niveau du groupe HTT, au niveau des clubs des Andalous, au niveau de la Ouédalon, il y avait une offre spéciale famille algérienne avec le slogan Fibladi, on fout les vacances. C'est-à-dire un package qui pour un bungalow, pour toute une famille, avec une demi-pension qui était à 4500 dinars par personne. Alors les publicités mensongères aujourd'hui, à l'arrivée de l'été, on vous dit, vous avez par exemple, vous pouvez passer un séjour dans tel pays à moyennant peut-être à raison de 20 000 dinars ou 30 000 dinars. Quand vous arrivez sur place, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous travaillez pour qu'il y ait un peu plus de crédibilité au niveau des agences de voyage? Suite aux instructions de Monsieur le ministre, beaucoup plus pour les agences de voyage qui ont failli à leur mission cet été. Il y a beaucoup eu... Oui, mais non, pas beaucoup, mais il y a eu pas mal d'agents de tourisme de voyage où il y avait des sanctions administratives qui ont été prononcées à l'encontre de ces agences, en allant même au retrait de l'agrément de ces agences. Et vous êtes en train de le faire? Bien sûr, madame. Vous les connaissez, ces agences? Ils sont agréés au niveau du ministère du tourisme. Non, c'est-à-dire vous les connaissez, ceux qui sont défaillants aujourd'hui, et vous subissez immédiatement. Parce que... Ou alors il faut déposer plainte. Non, parce qu'on reçoit des doléances de la part des citoyens, des clients, des touristes, et on fait des inspections au niveau de ces agences, et généralement, c'est le retrait définitif des licences d'exploitation. Alors, autre question d'un auditeur, ce sera la dernière, il vous dit aujourd'hui, parfois aussi, certaines contraintes sont liées, par exemple, à l'octroi des visas pour l'assouplissement pour le tourisme. Est-ce qu'il y a des facilitations qui seront offertes également? Vous travaillez avec tous les ministères? Bien sûr, essentiellement avec le ministère des Affaires étrangères, où l'octroi des visas, bon, il doit respecter la réciprocité diplomatique, et beaucoup plus, il y a eu une facilité au niveau de l'octroi des visas, beaucoup plus pour le Sud, où il y a des comités de... C'est-à-dire, la demande de visa, elle ne peut pas dépasser même pas une semaine au niveau du consulat dans n'importe quel pays. Alors, les Algériens maltraités en Tunisie, cet été, vous avez réagi également, monsieur Zoubir? Oui, bon, les Algériens qui étaient maltraités on a saisi les agents de tourisme et de voyage localement qui ont pris en charge ces familles, et nous sommes en train de recevoir les rapports de ces agences. Alors, dernière question, la wilaya de Biskra regorge de sites touristiques, balcon de Goufi, tombe de Orba ibn Nafa, la tombe de la légendaire Hizia, le mausolée de Sidi Khaled ibn Sina, on dort du chef-lieu de wilaya. Il n'y a aucun hôtel au niveau de ces localités. C'est vrai. Non, madame, il existe beaucoup plus pour le thermal. Il y a des infrastructures hôtelières à vocation thermale à Biskra. C'est pas tout le monde qui aime faire le bain, aller au bain aussi. Non, mais qui offre le thermalisme et offre beaucoup plus dans le package touristique. Mais est-ce qu'on devrait réaliser des hôtels au niveau de ces sites à proximité?
Bien sûr, madame, parce que quand on réalise une infrastructure hôtelière, on va promouvoir automatiquement ces sites touristiques. Bien sûr, en parlant de Biscarat, je peux parler aussi de Janet, oui. Je peux parler de Timimoun, je peux parler d'autres localités qui sont extrêmement magnifiques et importantes à travers tout le territoire national. Et moi, j'ai beaucoup apprécié Bni Abbès. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Sofiane Zoubir. À bientôt. À bientôt. Bon week-end à tous les auditeurs.